4.1 est une sous-couche entre le niveau 4 et le niveau 5. Ce niveau a été découvert il n'y a pas si longtemps par un garçon de 16 ans, alors qu'il explorait le niveau 4. Lorsqu'il a remarqué que l'un des murs était très faible, il a cassé le mur pour découvrir ce niveau. Il a été observé par des témoins qui seraient entrés à l'intérieur, mais qui ne seraient pas revenus. Il n'existe que deux photos connues de ce niveau, toutes deux prises dans les mêmes zones labyrinthiques. Le niveau 4.1 est divisé en deux parties, un labyrinthe et un bâtiment vide. Les gens ont déclaré que les murs sont d'une couleur beaucoup plus foncée, un peu comme de l'acajou, et que le sol est un tapis de velours foncé légèrement taché. La majorité de ce niveau est construite comme un labyrinthe. Ce labyrinthe est sécurisé. Cependant, les pièces de la zone du bâtiment sont supposées pas sûres. Lorsque vous sortez du labyrinthe, il s'ouvre sur une zone de bâtiment vide, sans aucun signe de vie connu, à l'exception des Death Mods mâles qui s'échappent du labyrinthe. Le bâtiment est très sale et peut causer des problèmes pulmonaires en raison de la forte concentration de particules poussiéreuses. Le seul type d'entité ici sont les Death Mods masculins. C'est donc à première vue un niveau particulièrement sûr. De plus, les Death Mods semblent très amicaux ici. Vous pouvez donc les apprivoiser très facilement. On croit qu'une autre entité se trouve à ce niveau, appelée la Fée des Dents. Dans la section du bâtiment et peut-être dans celle du labyrinthe, de nombreux corps ont été trouvés avec des incisions au visage, en particulier au nez, aux yeux et à la bouche. Les corps n'ont pas non plus toutes leurs dents. On pense que ce processus n'est pas ce qui tue la victime. On ne sait pas ce qu'elle a fait des dents, ni pourquoi elle attaquerait, mais elle semblerait attaquer tous ceux qui entrent dans le niveau à un moment donné. Aucune communauté connue ne réside dans le labyrinthe ou dans la zone du bâtiment. Des gens ont rapporté qu'ils pouvaient entendre les faibles murmures de plusieurs personnes, mais rien n'était là. Il pourrait s'agir d'un effet psychologique. La seule façon d'entrer dans ce niveau est de briser un mur du niveau 4, peu importe comment. Cela ouvrira un couloir, et vous pourrez entrer par là. Vous pouvez également sortir du couloir en ne le coupant pas, après l'avoir parcouru pendant environ 15 minutes.